Allez, on y va, les filles. On rentre. Noëlla, on y va, Noëlla. Allez, viens, les filles. Allez, Jacoba. Allez, va. Allez, on y va, les filles. Allez, debout. Ça c'est vachement bien parce que là on a un peuplement mixte de gambettes, ouais, vanneaux, ouais, avocettes, ouais, et chasses, barges. Donc si la barge elle se confirme, il y a plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années qu'elle n'a pas été vue ici comme nicheuse. Ouais, c'est cool. Donc c'est complètement lié à vos activités agricoles. De connaître la biodiversité de mieux en mieux, ça change nos pratiques, ça change la vision. Et du coup, ce que tu vois, tu fais attention. Quand tu connais pas, tu vois pas, tu fais pas attention. Tu peux pas faire attention à quelque chose que tu connais pas, c'est ce qui est assez logique en fait. On ne sait pas si demain, eh ben peut-être que c'est chez telle race qu'on trouvera un gène de résistance à telle maladie. Mais on est vraiment passé à ça d'une disparition totale de toute cette diversité génétique domestique. Merci. Je vais prendre une bûche cendrée. Alors les bûches cendrées, il y a un petit peu de lait de vache, il y a 15% de lait de vache dedans, les vaches de la ferme. Quand on est agriculteur motivé par la nature, les premières actions payent tout de suite. Cette ferme là qu'on a reprise, elle était gérée de manière classique. Et nous, on a restauré la prairie naturelle en remettant de l'eau et en remettant les prairies spontanées en route. Et tout de suite, dès la première année, on a eu des explosions d'oiseaux nicheurs sur nos parcelles, plusieurs espèces rares qui sont arrivées en quantité. Finalement, la nature reprend assez vite ses droits.